Le seul truc que je veux rappeler, c'est que ça s'appelle les talents Adamican. Et donc, en fait, on fait tout ça un peu pour eux. Il y en a un quatrième qui va arriver. Donc, je crois que quand on verra le résultat, c'est vraiment pour ces jeunes comédiens. Je sais qu'on tourne en vidéo, mais j'aimerais bien redonner un côté sacré à la prise. Qu'on sente vraiment qu'entre moteur, les annonces et le action, on n'est pas en pellicule, mais si l'esprit y est, ça m'arrange. Action! Finalement, je vais faire actrice, en fait, je préfère, parce que comme ça, c'est pas moi qui dois nettoyer la voiture, par exemple. J'ai 18h. En général, sur tous les tournages, on se dit, on se dépêche parce qu'on a bientôt plus de soleil. Là, c'est la première fois que j'entends dire, putain, quand est-ce qu'il se couche? On est tous impatients, on est prêts. Et alors, est-ce qu'on met le cul ici dans le bain à cause de feu, genre, ma mère, c'est pas que je fume. Au niveau de la lumière, là, je dirais qu'on a. On a essayé de faire très très simple parce que c'est un film avant tout pour les acteurs et bon, c'était pas un film de DOP. Et ce qui est sympa, c'est de voir des jeunes s'exprimer sur un plateau. Voilà, ce qui est fun, bon, bah, c'est que c'est un film assez rock-pop, mais un petit peu style années 80, je dirais. Ça me fait sourire parce que ça rappelle les vieux films qu'on regardait quand on était tout jeune. On a la chance d'être encadré par Monsieur Ménès, qui supervise tout l'artistique, et qui est vraiment très présent. Il est vif, c'est-à-dire qu'il nous repousse dans nos retranchements. Il est vraiment, allez les gars, on se motive, on y va. On n'a plus beaucoup de temps. C'est vrai que c'est une chance d'avoir vraiment cet homme dans notre équipe, parce qu'il relance. Des bûches dans le feu, tu vois. Là, c'est le dernier jour aujourd'hui, dernière nuit. On est tous ensemble, tous solidaires. C'est pas facile de tourner de nuit. Et avec l'énergie débordante de Patrick et puis toute l'équipe, on arrive à nous avoir une bonne énergie, quoi. Merci beaucoup, hein, c'était un plaisir de travailler avec toi. À bientôt.